Les Entretiens du Marquis, bonjour à tous Pendant que Marlène Schiappa perd ses Pascal Pro rend hommage à Alexandra en Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, je voulais remercier comme il se doit à tous ceux qui me permettent de vivre dans mon travail. Aujourd'hui est à l'honneur Céline Jardin. Merci, bah, merci à elle. Ça fait deux fois cette semaine. Et puis j'avais envie de dire, vous êtes formidables. Nous avons atteint 30 000 abonnés sur cette chaîne et je sais que c'est vous qui avez fait le succès parce que vous relayez par les petits pouces bleus. Ce sont vos messages qui me font grimper dans les algorithmes. Plus de 7 000 Pouce levé hier, cela vous donne une idée, et presque 900 messages. Alors je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde, je vais faire ce que je peux, mais vraiment du fond du cœur, merci, merci à tous. Hier, je traitais de la perte de nerfs dans une certaine mesure de Dupont-Moretti et d'Aurore Berger. Eh bien voilà que ce qui a pas, elle aussi à son tour, explose sur le plateau de C'est ce soir sur France 5. Ce n'est pas anecdotique. C'est-à-dire qu'ils sont tous sur pression, ils savent qu'ils sont sur un siège éjectable parce que les dossiers sortent les uns après les autres. Ils ont tout fait pour cacher ces dossiers. Et eh bien là, dans la presse anglo-saxonne, vous le savez, aux États-Unis, en Angleterre et même dans la presse française, on commence à sortir les dossiers. On comprend qu'ils perdent leur sang-froid. Alors on va regarder l'image de Marlène Schiappa se levant. Regardez la main. C'est pas un geste satanique, ça Ça va bien avec Marlène Schiappa qui perd ses nerfs, hein, qui sort de ses gonds. Alors, on va regarder précisément le verbatim. Andrea Bescon lui reproche de ne pas faire suffisamment pour les femmes. Hein. Il y a des femmes qui sont violées tous les jours, toutes les cinq minutes. Il y a une tentative de viol. 18 enfants violés toutes les heures. Une femme qui meurt tous les deux jours. Bon. Et face à cela, Marlène Schiappa. Et... N'accepte pas. Et André Bescon continue. Je vous l'apprends visiblement. À votre place, je ne serai pas tout détendu en train de sortir un livre. J'ai honte pour vous. Et c'est la formule qui va faire exploser Marlène Chapa. La secrétaire d'État n'a pas voulu en attendre davantage. Je trouve cela juste honteux. Je ne vais pas rester sur ce plateau. Alors que Karim Rissouli a tenté de la dissuader, elle s'est emportée. Il n'y a pas de... Vous restez là Me dire à moi que je découvre les violences sexuelles Mais merde s'est-elle exclamée en tapant sur la table et en demandant de couper cette séquence au montage. Et c'est peut-être là le point important. On sait, et je l'ai souvent entendu de la part de mes confrères, me dire « ouais, tel ministre s'est pas très bien comporté, on a coupé au montage ». Eh bien, ce qui change, c'est que l'animateur a dit « non, on ne, change, on ne coupe pas et la séquence restera ». Et ce, ce que l'on voit, encore un ministre du gouvernement Macron qui explose. Et on comprend pourquoi elle explose. Dans un précédent numéro, et il n'y a pas très longtemps, c'était sur Muriel Robin, et Brigitte Macron, j'avais montré qu'il y avait une augmentation de la violence faite aux femmes. Le président de la République est directement responsable, notamment à travers les confinements, mais aussi en ouvrant les portes de la France, hein, qui, qui fait que nous, nous accueillons de plus en plus de gens qui ne respectent pas les femmes. Je n'en dis pas plus, vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Et cette secrétaire d'État qui accepte d'être assise à côté de Darmanin, est accusé de harcèlement de Dupont-Moretti qui défend les voyous et qui se comporte comme un voyou, il est normal que les femmes qui essaient de défendre les femmes l'accusent de ne rien faire. Alors on va revenir sur une autre affaire, Dupont-Moretti. Certains d'entre vous m'ont dit oui, mais on parle de bras d'honneur verbal. Non, non, il y a bien un bras d'honneur physique et Olivier Marlex l'a vu. Nous ne l'avions pas au niveau des images, mais certains étaient là. Et voilà la photo. On, est en, on voit bien Dupont-Moretti en train de faire un bras d'honneur. Alors, le doigt, le bras d'honneur. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, Dupont-Moretti est dans la tourmente. Et je ne vois pas comment il pourra rester très longtemps à ce, dans ce gouvernement. On a appris aussi que qu'Elisabeth Borne a essayé de le tenser et que Dupont-Moretti l'aurait très mal accepté. En conseil des ministres, Borne et Dupont-Moretti étaient... Étale leur tension. En off, ils se sont engueulés. Ce qui autrefois serait resté caché, eh bien maintenant, cela remonte à la une des journaux. Et c'est bien ça, c'est bien ça le changement. Ils ne peuvent plus cacher leurs diver leur divergences, leur tension ou leur haine. D'ailleurs, on ne s'y trompe pas. Hein, le Figaro titre cette chose bien avant 2027. Le camp Macron près d'exploser. Souvenons-nous. Ce que je vous avais dit dans une précédente vidéo, Aurore Berger a pleuré parce que tout simplement Horizon d'Edouard Philippe et le modem de François Bayrou n'ont pas voté sa loi. Et on sait aussi que François Bayrou a proposé une refondation à Emmanuel Macron qui a piqué une colère terrible. La réponse, d'ailleurs, fut à mon avis cinglante et elle peut peut-être euh, se retrouver là-dedans. François Bayrou va devoir s'expliquer devant la justice sur l'affaire des assistants parlementaires du Modem. Son parti est soupçonné d'avoir utilisé des crédits européens pour employer du personnel travaillant en réalité pour son compte. Dix autres cas de la formation centriste sont renvoyés devant le tribunal. Devant le tribunal correctionnel. À chaque fois que François Bayrou a des velléités d'indépendance, Macron lui donne un grand coup sur le museau et il retourne à la niche. Et on le voit sur les plateaux de télévision défendre la réforme des retraites, alors que c'est lui en septembre qu'il a le plus critiqué et qu'il a fait en sorte qu'elle soit repoussée à la fin de l'hiver. La vérité, dit François Bayrou, est qu'il y a déjà 30 milliards de déficits des retraites par an qui sont compensés par le gouvernement. Une vérité scandaleuse. Nous ne les avons pas et les empruntons en, en chargeant les générations d'aujourd'hui et demain. Alors, ce que dit Philippe Murer est très vrai, c'est la politique d'Emmanuel Macron qui fait que nous n'avons pas suffisamment de recettes et qui, qui, qui débouche hein, sur ces emprunts. Nous avons pourtant économisé, il y a 190 milliards, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, mais manifestement, ils veulent conserver ce trésor de guerre. Alors, il y a quelque temps, on avait dit sur cette chaîne que c'était les marchés financiers qui imposaient cette réforme des retraites. La plupart des analystes nous avaient expliqué, pas du tout, pas du tout, c'est une théorie du complot, arrêtez de raconter n'importe quoi, même si la gopé, hein, les grandes orientations de politique européenne nous expliquent qu'il faut faire cette réforme, même si le FMI impose cette réforme, eh bien ceux qui disent ce genre de choses, ce sont des complotistes. Et puis dans le Figaro aujourd'hui, bah, c'est l'aveu. Hein. Jean-Pierre Robin, oui la réforme des retraites vise à rassurer les marchés financiers. Bien évidemment, puisque nous avons un système qui fait que nous sommes obligés d'emprunter sur les marchés financiers. C'est le système européiste. Autrefois, du temps du général de Gaulle, nous aurions emprunté à la Banque de France, nous aurions pas été donc sous tutelle des marchés financiers. C'est le système européen. Qui nous oblige à faire ce genre de choses. Vous imaginez s'il faut tout le temps rassurer les marchés financiers Ça sera la retraite à 67 ans, comme le prône par exemple Édouard Philippe, ou les européistes, voire à 70 ans, et puis qu'on soit complètement tous esclaves. Là, je pense que les marchés financiers seront rassurés. Alors on comprend bien que ces gens qui nous ont mis sous la tutelle du marché financier feraient mieux d'aller se cacher plutôt que de venir apparaître à la télévision nous donner, nous donner des leçons. Par ailleurs, nos députés euh, macronistes, euh, les gens du gouvernement, pourquoi aussi ont-ils des crises de nerfs Eh bien, voilà. Êtes-vous en colère contre la politique économique et sociale du gouvernement Bon, la France Insoumise, le Parti Socialiste, d'ailleurs, ça c'est. Hein, sont en colère. Les, les Verts sont en colère. Mais si vous regardez Renaissance, c'est presque 44%. Qui ne sont pas satisfaits de la politique économique. Donc, à partir du moment où même les républicains sont majoritairement contre la politique économique de ce gouvernement, parce que c'est ni plus ni moins la faillite, hein, c'est pas le Mozart de la finance, c'est le Mozart de la faillite et c'est le, le king euh, du dance floor de Kinshasa, Macron, mais c'est certainement pas un grand économiste qui nous a mis dans une situation dramatique. Alors, nous avons des explications sur ces prisonniers, ils savent qu'ils ne pourront pas s'en sortir et je n'ai toujours pas abordé la politique sanitaire qu'il a menée pendant deux ans. Je voudrais terminer ce dossier économique avec quelqu'un que je n'apprécie pas véritablement, Moscovici, celui qui a aussi alourdi les finances publiques et qui vient aujourd'hui nous donner des leçons. Nos finances publiques sont parmi les plus dégradées d'Europe, cela nous affaiblit, c'est normal, il a été ministre de l'économie, cela explique aussi cela. Et puis l'Europe hein, qui nous explique eh bien, que maintenant, l'argent magique, le quoi qu'il en coûte, c'est. Terminé. Autrement dit, nous allons payer l'addition très fortement. C'est-à-dire toutes les erreurs d'Emmanuel Macron, les milliards qu'il promet un peu à gauche et à droite. Eh bien, nous allons les payer par peut-être un rallongement de la durée de travail jusqu'à 67 ou 70 ans. Je tiens à signaler que 64 ans, ce n'est qu'une marche vers 67 ans. Ils veulent absolument harmoniser les systèmes de retraite européens. Alors on va passer maintenant sur quelque chose qui nous fait davantage plaisir. Cette dame qui est en tête des ventes avec Pierre Chaillot, Alexandra Henrien-Caude. nous la pressions beaucoup sur cette chaîne et nous sommes très heureux de voir son livre en tête des ventes. Alexandra Henrien-Caude était également l'invitée de Pascal Pro. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé sur CNews, ces c'est que lorsqu'il y avait quelqu'un de la réinformation comme Alexandra en Côte, qui arrivait sur le plateau de CNews. C'était pour prendre des claques parce qu'il y avait quatre, cinq invités qui se comportaient comme des hyènes et c'était très compliqué à l'invité de véritablement développer ses idées. Je vous renvoie notamment à la vidéo que je vous avais montrée avec le professeur Perron. Là, pas du tout, parce qu'elle était épaulée par quelqu'un que nous apprécions aussi beaucoup sur cette chaîne, l'esquise Marie-Estelle Dupont. Alors, on va regarder la séquence et... Véritablement, ça fait chaud au cœur d'entendre ce genre de choses. Allez, on écoute Orion. Alexandra Henri-Côte. C'est sur ces fameux turbo-cancers qu'on a vus autour de nous, qui n'a pas vu des gens on, où on leur, leur disait... C'est un cancer qui va un, qui... un cancer qui va à, à fond. Mais je suis d'accord avec vous, moi je suis frappé par ça. Ah aussi. bah voilà. Et, non, et puis pareil, les morts je suis frappé subites, frappé etc., je suis vous voyez frappé. Euh, des gens qui tombent comme je suis ça, c'est quelque sport, chose que je, je n'avais jamais, euh, jamais vu. Je euh, euh, n'ai jamais vu. La professeure de mon... d'un de mes enfants... Madame Henri-Côte. C'est des choses que je n'ai jamais vues. Bon, je n'ai que ça Je suis d'accord avec vous. Des gens du sport me disent ça, des pharmaciens me disent ça. Des, donc, nous des, sommes des, ça. des, Moi, des médecins me disent je, je, je ne fais plus de pharmacovigilance, il faut trois quarts d'heure pour faire le papier. Je n'ai jamais vu dans mon cabinet autant de gens qui ont des affaires désirables. Je Mais tout ça, ce que je dis là, c'est Je le rapporte parce que ouais. c'est vrai, mais ce n'est pas des études. Ouais. Je peux. Ben je pas des et études. donc je ah, vais juste dire une chose. J'ai reçu Mélodie il bon. n'y a pas longtemps de où est mon cycle. Et donc oui. Et même moi, en consultation, les femmes, alors que je suis psychologue, elles me disent mais ma vie sexuelle, ma vie de femme, elle est bouleversée. Soit ménopause précoce, soit j'ai des règles noires ouais. hémorragiques. Soit je saigne en permanence. Euh, je saigne ouais. en permanence, j'ai mes règles tous les 10 jours. Euh, et il y en a énormément. Et ça bouleverse leur vie. Et on a obligé des jeunes et, femmes de 15 ans pour continuer à faire du sport, ouais. à se vacciner. Peut-être qu'elles ne pourront pas avoir de bébé. Et c'est là où je, 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 je reviens avec ce livre, parce que ce livre, si on accepte de regarder le verre à moitié vide, à moitié plein, en disant, bon, l'autre, en riant elle est con, elle dit qu'il est, est, il est plein d'eau, mais l'autre, il sait qu'il est plein d'air, à ce moment-là, on va travailler ensemble et on va trouver des solutions, parce qu'il ne se peut pas qu'on ne trouve pas des solutions. Donc, oui, moi, mais... je veux rester positive hein? en disant... Mais ils ne voudront pas, pas vous moment, écouter parce qu'ils sont allés trop loin. Si si votre thèse est juste, peux... c'est un scandale d'État, c'est le plus grand scandale d'État du XXIe voilà, siècle, pardonnez-moi. Eh bien, cette séquence... Est vraiment exceptionnel. Parce que, outre-Atlantique, nous avons beaucoup d'informations. En France, ça commence à arriver sur les plateaux de télévision. Et quand je vous disais que le vent tournait, là, il tourne vraiment très fort. Cette séquence aurait été impossible dans la façon dont elle a été tournée il y a encore trois semaines. Bravo à Pascal Pro, je l'ai beaucoup critiqué. Eh bien, je dois reconnaître qu'il a fait un travail tout à fait exceptionnel ici. Il a donné. La parole à des gens qui ont été en pointe contre les politiques covidistes et il les a présentés d'une façon tout à fait acceptable. Alors, comme Rion, le professeur Alexandra Orion a énormément de succès, le Figaro et eh bien tire, en tout cas lance la contre-attaque contre le professeur Orioncode et il demande à quelqu'un, à quelqu'un que j'ai beaucoup caillassé, d'attaquer, d'attaquer. Alexandra orient Code, Regardez, la généticienne Alexandra orient Code s'en prend avec force à l'utilisation massive de l'ARN messager dans un livre à charge publié cette semaine et elle nous annonce un déluge d'effets désirables. Alain Fischer, uh, coordinateur national de la stratégie vaccinale, lui répond. Alors, contre les nouvelles qui nous viennent des États-Unis, je ne sais pas si vous avez vu ma, vid ma précédente vidéo, ils avaient demandé à Bruno Lina, qui est considéré comme quelqu'un de peu fréquentable depuis 2010, depuis le rapport sénatorial du même nom. Et là, il demande à Alain Fischer. Alain Fischer qui a coordonné en effet la politique vaccinale et qui a menti pendant un an et demi, qui regrettait même que les parents puissent dire non à la vaccination de leurs enfants. Alors que nous avons appris, et notamment même chez Fauci, que la vaccination pour les moins de 60 ans, il n'y avait, avait pas de grosses raisons lorsqu'il s'agissait du Covid-19. Et je voudrais juste remettre un seul tweet sur Alain Fischer. « C'est quand même ce monsieur. Vaccin du gouvernement estime qu'il est possible d'atteindre l'immunité collective face au Covid-19 dès le début de l'automne. Il faut que 90% de la population soit vaccinée pour atteindre l'immunité collective. » Avec un vaccin qui ne protège pas de la transmission et de l'infection, avec un vaccin qui ne permet pas, qui ne dure pas tellement dans le temps, et puis avec des variants. Vous imaginez que c'est ce personnage que le Figaro choisit pour répondre à Alexandra henri code J'ai presque envie de dire que c'est un hommage qui rend au professeur Alexandra henri code Merci à elle. Quant à Alain Fischer, il devra certainement répondre comme le professeur Fauci sur les choses qu'il a pu prononcer. Eh bien, on va maintenant travailler sur un personnage, un peu on va travailler sur un personnage qui fait un peu la une des journaux, parce qu'il a écrit un livre, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce zozo, c'est Geoffroy de la Gannerie. Voyons -ce. quelle est la thèse qu'il défend au micro de Léa Salamé sur France Inter. « Se mettre en couple divise par 5 le nombre de sorties, c'est un appauvrissement considérable. Pourquoi il n'y aurait pas des allocations amicales plutôt que des familiales ?» Bon, là, on se dit, on se pince pour y croire. D'abord, comment se fait-il que la radio de service public animée par Léa Salamé, qui est tout amour, hein, devant la galerie, elle sourit, elle est toute tout pleine de charme, devant un type qui raconte strictement n'importe quoi Et puis, ces gens qui vivent dans un milieu très fermé, parisien ou universitaire, qui ne connaissent strictement rien du monde, commencent à reprocher aux autres d'avoir un mode de vie différent d'eux. Ça s'appelle tout simplement de l'intolérance. Service public qui reçoit des gens intolérants des gens qui manifestement n'ont pas toute leur tête. À quand Léa Salamé va-t-elle interroger quelqu'un qui se prend pour un loup J'en ai vu un sur Twitter, un type qui se prend pour un loup. D'autres qui se prennent pour des chats ou pour des arbres. Euh, France Inter, c'est la maison de fous, on a bien l'impression. Et ce, la gannerie, qui explique qu'il faut des allocations amicales, euh, c'est-à-dire que c'est le droit à la paresse, on va dépenser, ils vont recevoir des allocations pour vivre en quelque sorte une vie à la pierre palmade, si j'ai bien compris. Compris la Gannerie. C'est ça l'objectif de ces groupes et ils sont reçus à France Inter Alors on peut continuer aussi hein, sur la Gannerie parce qu'il est invité, il a sorti un livre Famille, je vous hais, voilà, c'est clair. Le manifeste génial et narcissique de Geoffroy de la Gannerie. Combien d'œuvres avortées parce que des enfants sont nés Voilà, hein, c'est assez intéressant, c'est le paradoxe, mais vous remarquerez que s'il n'y a plus d'enfants, il y aurait plus d'œuvres non plus on pourrait répondre à Geoffroy de la Gannerie. C'est vrai qu'il demande euh à certains de se retirer. On regrette vraiment que son père n'ait pas eu cette bonne idée. Et puis, à l'intérieur, là, j'avoue que de son livre, on arrive à trouver des pages qui sont tout à fait <laughs> hallucinantes. Il reproche ni plus ni moins aux gens de se lever tôt parce que lui, comme il fait la fête toute la nuit, ça l'embête d'avoir des rendez-vous le matin. Voilà, ce sont des asociaux qui aimeraient que nous ayons la même vie qu'eux. Et c'est invité sur le service public. Et on leur déroule le tapis rouge. C'est même pas qu'ils sont mis en contradiction. Non, on leur déroule le tapis rouge. C'est tout à fait scandaleux. Il faudra un moment que les choses ne, ne puissent plus continuer ainsi. Et puis je le dis à tous ces gens de gauche ou d'extrême gauche, le jour où il n'y aura plus de gaullistes comme nous. Ben je peux leur certifier qu'il n'y aura plus des gens pour les défendre. Et c'est là le paradoxe, parce que nous, nous aimons encore la démocratie, le débat d'idées. Mais quand il n'y aura plus des gens un petit peu virils pour défendre clairement des idées, eh bien, je leur souhaite bien du courage. On va ouvrir maintenant la page Ukraine. Je vous l'avais promis. Alors, il n'y aura pas de vue du droit aujourd'hui parce que je n'ai pas euh, vu du niveau. Par contre, par contre, très bonne nouvelle. Xavier nous a sorti un numéro de Stratpol. Je vous mets les liens dans la description. Ne le ratez pas. De très, très nombreuses nouvelles. Alors, on va travailler sur celle-là. Le narratif US évolue, Ce n'est plus la Russie qui a fait sauter son gazoduc. Bon, c'était assez intenable. Mais six Ukrainiens avec leur, boulet, avec leur bouée de canard. Petit, c'est le sens de l'humour de Xavier. Ça devrait passer tranquillement sur BFM TV hein, avec tous les gamelins. Mais remarquez que cette nouvelle, elle est très importante. Seymour Hersh avait expliqué que c'était les Américains. Ça avait fait évidemment une énorme bombe aux États-Unis. Euh, Joe Biden a dû. Tout de suite contre attaqué parce que ça présentait les États-Unis comme un état terroriste. Donc ils ont accusé les Ukrainiens. Mais en accusant les Ukrainiens, les Américains mettent à mal les Allemands parce que les Allemands maintenant ont comme ennemi les Ukrainiens alors qu'ils sont en train de livrer des chars léopards. On se demande ce qui est en train de se passer en Ukraine. C'est un... un champ de foire. On a l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz, sans faire de mauvais jeux de mots, dans les anciens alliés de l'OTAN. Les Allemands devront réagir à ce genre de déclaration. En ce qui concerne bakhmut on pensait que le, les Ukrainiens allaient évacuer Bakhmout et ben pas du tout. Il y a une sorte de crise entre Zelensky et son état-major. L'état-major voulait évacuer Zelensky à non. donc il envoie toutes les réserves. Les combats sont d'une extrême violence et il y a de très très nombreuses pertes. Une partie de l'état-major de l'OTAN a pourtant dit qu'il faudrait absolument évacuer, qu'il ne faudrait pas tenir. Et on apprend là qu'il y aurait une grande offensive au printemps avec des nouvelles troupes que l'OTAN serait en train de former pour envahir la Crimée. Ce qui est bien, c'est qu'ils donnent leur plan aux Russes. Bon, on verra un petit peu de quoi il s'agit dans les semaines à venir. Ce que je suis en train de, de remarquer, c'est que... Chaque semaine qui passe, l'armée ukrainienne est dans une situation de plus en plus difficile. Elle est en train d'utiliser de plus en plus de réserves et on ne voit pas quelle armée otanienne qui serait formée en Pologne ou Dieu sait où pourrait venir sauver Zelensky. D'autant plus que Joe Biden, comme je viens de vous le dire, est en train d'accuser le régime de Zelensky de terrorisme, ni plus ni moins. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir, hein. continuez le travail de la réinformation parce que c'est une œuvre collective. Je vous remercie. A bientôt, bye bye